Bienvenue sur Safe Studio pour cette deuxième partie de ce tutoriel 777. On est sur le bureau pendant 30 secondes juste pour vous dire que la piste 05 était fermée et que la piste 23 pardon, était ouverte à cause du vent. On est actuellement sur Papa India Tango Tango India, ici en circuit d'attente au niveau 500. Il va falloir programmer un fixe avec un rayon de 10 nautiques sur Tango Uniform Tango 112 décimal 5, donc on pour reproduire ce cercle, et un autre fixe sur le même vore avec un cap 238, et dans la page navigation du PMDG il faudra programmer 112 décimal 5 en cap 238 pour pouvoir intercepter le log. J'ai choisi de le faire en manuel, donc on partira du circuit d'attente pour rejoindre cet arc de cercle en manuel, 2200 pieds. On pourra commencer à descendre à 1600 pieds à partir d'ici et rejoindre Jonas, 1500 pieds, et faire une approche standard sur la piste 23. Le baromètre 243, voilà. On se retrouve tout de suite dans le cockpit pour cette dernière partie. Bienvenue sur Safe Studio pour cette deuxième partie du tutoriel 777 Call and Dark, ce premier tutoriel. Donc deuxième partie, nous arrivons dans notre haute position à 5000 pieds. Les vents de la piste ont changé, donc ça sera une approche Ford DME Belay Down sur la piste 23. Donc on va tout de suite programmer notre approche. Alors j'ai parcouru dans le FMC toutes les approches qui sont ici et aucune ressemble à celle de la carte qu'on a vue au préalable. Donc je vais choisir ma piste 23 et je vais lui mettre 2 nautiques. Hop. Un. On va lui mettre 5. Peut-être que. Bon, alors on va pas lui mettre 2, on va pas lui mettre. Normalement 2 ça passe. On va laisser comme ça. Alors si on se rappelle bien notre carte, on a un arc de cercle de Tango Uniform Tango à 10 nautiques du Vore. Donc on va aller sur les fixes. On va aller choisir Tango Uniform Tango. Le bord et lui mettre une distance de 10 nautiques. Voilà, on voit bien, je zoome, on voit bien notre arc de cercle qui croise bien Papa India Tango Tango India. Donc on retrouve bien ceci sur la carte. On va aller sur les naves, on va taper notre DME 112 50 et on va lui mettre un cap de piste comme on a vu sur la carte de 238. Enfin un cap de piste. Une course Vordem. Voilà. On va l'activer au-dessus. On voit bien ici. On va lui mettre l'ADF 403. Hop. L'avion bouge. Je bloque mon trapir. Voilà. Voilà, et on l'active en bas à droite. Voilà. Je vais remettre les waypoints. On voit un peu mieux. Donc on voit bien notre arc de cercle qu'on va suivre en manuel. Et intercepter la course 2-3-8 pour atterrir sur notre piste 23.
Voilà, on va juste mettre une petite référence en plus. Donc, sur le nav, on va prendre 112,50. Voilà, on voit bien cette deuxième ligne ici qui représente notre piste, même si on avait la ligne blanche de notre runway 23. Moi j'aime bien faire comme ça. On doit descendre à 2200 pieds. Et on va réduire à 182. On va choisir dans nos références notre approche. Donc on prendra la première, flaps 20, 140 nœuds. Voilà. On va descendre doucement. On va faire un petit tour en plus dans le circuit d'attente. Checklist. Les inconvénients hein, avec le ZCA et le trackier, c'est que quand il y a des météo assez comme ça, bah, ça tremble pas mal. Et des fois on a un peu de mal à toucher les boutons. Donc descente, recall. Ok. Note ok. Autobreak 2. Référence, landing, ok, approche briefing, ok. Et on va se mettre sur l'approche. Altimètre, on est bon. Le barreau, donc 243, on l'avait vu sur la carte, donc je vais le rallumer. Voilà. Voilà, on va remettre 243, je vais dézoomer un peu. Donc beaucoup se plaignent de ma vue en fait au niveau du track hier. Je suis un peu trop près au niveau du cockpit, mais pour moi ça me semble bon. Si je regarde à droite, je suis dans mon siège en fait, hein, donc je pourrais m'enfoncer un peu plus dans mon siège, comme ceci. Mais le problème c'est que j'ai tendance à traverser le siège et à plus pouvoir toucher les boutons. Donc tout ça c'est un réglage, ah, c'est assez perso, hein, et, hop, je me re-règle. Voilà, c'est tout va avec mon siège et ma position dans le fauteuil en général. Donc voilà, là je pense que c'est une bonne distance. Hop, vous voyez, je peux régler la position de mon siège, je peux descendre, monter. Voilà, il me semble que je suis pas mal. Donc on arrive à 2200 pieds, vertical, Papa India, Tango 2 fois India, virage à gauche. Donc pour quitter un hold position, pour notre cas, on ne pourra pas le quitter automatiquement sur le FMC en faisant... Ah, vous voyez, là, j'arrive pas à toucher le bouton. Il faut que je me rapproche. Je suis à travers le siège. Voilà. On ne pourra pas faire un exit car on n'a pas de point next à notre hold position. Donc, il va falloir qu'on fasse une... qu'on désactive le pilote automatique et qu'on y aille en manuel. De toute façon, c'était le but. Hop, je me recule un peu. On va régler notre cap de piste OHDG, donc 238.
l'aéroport hein, qui est là-bas. Je vais couper le pilote automatique dans quelques secondes. Donc les phares sont déjà allumés. Vu qu'on n'a pas, on est resté en dessous de 1000 pieds. Je vais allumer le runway turn off. Je vais désactiver le pilote automatique. Voilà. Et faire mon virage à droite pour intercepter. Alors gardez bien un œil sur votre altitude. Donc on suit notre arc de cercle des 10 nautiques de notre bord. Donc là on est en manuel. Pas mal de vent. Ça se coupe pas mal. Toujours corriger notre altitude. Être à 1 nautique à droite de notre ligne. On va essayer de remonter un petit peu pour rester à 2200. De le faire au mieux. Je suis sûr que c'est pas facile dans cette météo. Donc les gaz sont toujours gérés automatiquement. Je vois bien cette interception à Jonas entre la course du VOR et NDB et notre adversaire des 10 nautiques. On va tout de suite descendre le train d'atterrissage. Et c'est à 160 nœuds. Lâche le manche, tout de suite ça descend. On va descendre à 1600 pieds pour intercepter Jonas. Réglons 1600 pieds. Dès que je lâche le manche, ça descend. Le vent est assez... Voilà, on va régler les volets à 20. Donc nous sommes à 1600 pieds.
va intercepter notre lock. Donc anticiper un peu sur le virage. Là, on arrive avec un vent de face. On a vu, on a pris de l'altitude tout de suite. Il faut bien penser à corriger tout ça. On va se mettre en vitesse manuelle. Voilà, nous sommes sur le lock, donc une interception manuelle. Lock intercepté, nous devons descendre à 1400 pieds, si on suit bien la procédure. Nous sommes pas loin de notre vitesse d'approche, de référence. On va descendre 1400 pieds. Et on va rester comme ça. Vitesse de référence 140, je suis dessus. 1400 pieds, je suis dessus. On va droit dans la baie pour intercepter la piste. Donc piste à vue, vous êtes obligé de respecter votre bord DME. On est en approche typique à vue. Visibilité assez bonne. Voilà, on va commencer à descendre. On voit les diodes de la piste 1 qui s'affichent en blanc. On va descendre tout doucement. Essayer de garder notre vitesse de référence. 30 nœuds devant. Et on descend. Un exercice, je suis sûr que c'est pas facile. La météo est très mauvaise pour ce premier tutoriel, j'ai mis le paquet. Donc on va arriver à notre approche baromètre, donc minimums. On est aligné. Je ne comprends pas cette alerte, je suis pourtant sur mes références.
voilà posé. Le volet. Voilà, volet OK. APU. Voilà. Il pleut, il fait que ça. Bon speed, 29 nœuds. Un peu pas mal dans un virage. Hein. Heureusement, il n'y a personne à bord. Respectez bien les limites. Voilà, fin de parc. Hop, je suis un peu trop près, un peu trop loin de mon siège. J'avance un peu.
Fin de parc, ok. Moteur éteint. Hydraulique, ok. Fuel pompe. Ok. Parking brake. Détecte pas, normalement si. Tu le détectes pas. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Des petites erreurs, mais bon, dans l'ensemble, on est tous là. Approche pas parfaite, météo assez périlleuse. J'essaierai de la refaire. Avec une météo plus clémente, de façon à ce qu'on ait un peu plus de temps. Là, personnellement, sur le joystick, il faut être très attentif sur les écrans, sur l'altitude et la vitesse pour ce type d'approche. On a bien vu que notre virage à gauche, à l'intersection du bord, on a pris pas mal d'altitude à cause de l'arrivée du vent de face. Donc il faut vraiment tout contrôler, gérer les gaz, gérer les volets, gérer le train d'atterrissage, il faut tout gérer. C'est un exercice hein, et encore même moi des fois je me fais surprendre. Bon bah voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, j'espère que vous allez la reproduire chez vous. Et puis on se retrouve très bientôt sur un nouvel épisode du 777 avec Effet Studio France. Salut tout le monde.